Monsieur, allons chez le délégué. Tiens, est-ce qu'on a un chiffre charmant? C'est super charmant. Ça va? Ouais, ça va. Oh, c'est quoi? Oh, arrête. Tu veux pas que je sois avec ma chérie? Chérie, laisse-moi ouvrir. Non, ne laisse-moi pas. Tu ne veux pas que je sois avec ma chérie? Oh, arrête ça. C'est quoi? Chérie, ils sont pris, calme-toi. Laisse-moi. Comment te calmer? Il y a peut-être quelque chose à dire, on ne sait jamais. Mais il y a qui ici là? Il y a personne pour le faire sortir? Non, c'est bon. Fais-moi des histoires, s'il te plaît. Oh, mais veux-tu me tuer pour quoi? J'ai fait charama en live. Ouais, tu veux prendre quoi? Tu as envie de prendre quoi? Charama, j'ai envie de tester le charama et voir. Mais il n'y a personne ici. Des jeunes comme ça, c'est pour demander de l'argent. Bonjour. Oui, bonjour. Bonsoir, madame. Mais tu prends quoi? Tu veux jeter un coup d'œil sur la table de menu et voir. De la salade, du charama, du riz. Apparemment, il faut de très bons mets ici. Hein. Ah bon? J'ai jamais mangé un charama aussi délicieux. Vraiment, c'est super bon. Waouh! En plus, rapide. Très rapide. C'est pas pour la livraison à domicile et tout. Oui, mais où est la fille qui nous a servi? Oui. Où est celle qui nous a servi ici là? Elle sert d'autres gens au dehors. Oui. Bonsoir. Ok, dites-nous, à part le charama qui est votre spécialité, quels sont les plats que vous faites qui sont? Bon, à JP Charama, on fait aussi des pizzas. Wow. On fait un plat de bomewa avec poulet, poêleron ou tilapia si vous voulez. Oui. On fait aussi du riz, oui. Des frites, un peu de tout quand même. Attends, vous faites des livraisons à domicile aussi? Oui, on fait des livraisons à domicile. Wow. Et au cas où vous voudrez vous contacter? Oui, on a un numéro. 52 31 81 20. Bébé? Oui. Je voudrais commander deux charama emportés, s'il te plaît. Une pour ma cousine et une pour ma voisine. Vous faut commander, j'ai reçu avec beaucoup d'argent. Ok, merci beaucoup. Et addition, s'il vous plaît. Addition. Bon. Tata, s'il vous plaît, je voudrais commander deux charama emportés. Ah. Vous allez ajouter le prix ici. D'accord. C'est lui? C'est quoi? Tu as pris l'argent dans ma poche? Tu parles de quel argent là? Mais je t'ai avec 20 000 francs. Je ne sais pas de quoi tu parles. Hein? Attendez. Mais j'avais 20 000 francs dans ma poche. Mais en quoi? Attends. Je ne sais pas. Je vous ai déjà remis l'argent. Ah, mais quelqu'un a pris l'argent dans ma poche. Quand je vais manger là, vous avez pris l'argent dans ma poche. Chérie, toi aussi, tu es arrivé, non? Mais je t'ai 20 000 francs dans ma poche, non? Comment vous n'avez rien pris? Sécurité. Comment sécurité? Moi, je vous ai remis l'argent. Je ne vous ai pas remis l'argent. Non, bébé, mais toi aussi, tu ne lui as pas remis de l'argent. J'avais 20 000 francs dans ma poche. Il y a quoi? Non, on a mangé, mais l'argent là, on ne sait pas là où j'ai mis l'argent là. Oh, monsieur Théo a dit ici là. Je ne sais pas, tu sais que je n'aime pas les choses. Mais, là, va quitter ici. Ah, monsieur, ça, pardonnez. Quoi? Eh, pardonnez. Si vous n'avez pas l'argent, vous allez devoir monsieur pour aller au commissariat. Comment aller au commissariat? Oh, s'il vous plaît, monsieur. Alors, allons chez le délégué. Eh, délégué. Allons chez le délégué. Non, s'il vous plaît. Oh, monsieur, pardonnez. C'était mon argent, il avait ramassé, il voulait me dire. Chérie, tu avais quand même demandé d'être patient, d'écouter ce qu'il avait à te dire. Oh, je ne savais pas, vraiment merci beaucoup. Je ne savais pas qu'il voulait me dire. C'est trop tard, c'est pas maintenant que tu vas le remercier. Oh, mais, pardon, faut prendre. Tu ne veux pas?
Tant qu'il trouve la nature refuse.